Bienvenue dans cette vidéo, donc qui sera un vlog consacré à mon voyage à Munich en Allemagne. Vous allez pouvoir me suivre du coup dans les pérégrinations de cette ville. Donc écoutez, j'espère que vous êtes prêts, sachant que c'est une ville que j'avais très très hâte de visiter, puisque vous connaissez, je pense maintenant, mon amour pour l'Allemagne, et peut-être, vous avez compris, pour la Bavière. Donc écoutez, j'avais très envie d'aller à Munich depuis un long moment, j'étais déjà juste passée, donc là comme ça, ça va me permettre de mieux visiter la ville. Donc voilà, on a un programme, on n'est pas très doué avec ma mère avec qui je suis partie niveau orientation, mais ça devrait aller. Là, ce matin, on va aller visiter le camp de concentration de Dachau, qui est du coup à quelques kilomètres de Munich. Alors, j'avais déjà visité le camp du Struthof, qui est le seul camp de concentration français qui se trouve en Alsace. Donc là, c'était comme on a l'occasion d'être à côté de Munich pour pouvoir justement y aller, sachant que c'est le premier qui a ouvert du coup en 1933. Bon, petit bilan de la visite de ce matin. Je pense que les espaces mémoriaux et notamment les camps ne devraient pas être ouverts à tout le monde. J'étais allée en voyage scolaire il y a longtemps avec le Souvenir Français et c'était complètement différent parce que là il y avait des groupes de touristes qui se prenaient en photo et qui prenaient des selfies devant des lits de déportés. Donc excusez-moi mais je trouve ça absolument pas très très bien. S'il y avait un sentiment un peu de malaise et de gêne d'être là, et je pense que ça serait bien que ce soit ouvert essentiellement soit aux groupes scolaires qui ont une préparation avant, soit aux historiens, aux gens qui font de la recherche, enfin voilà. Je pense que tout le monde ne devrait pas pouvoir y aller, ou en tout cas qu'il faudrait des quotas, et puis un minimum de respect en rappelant que c'est pas un lieu touristique comme les autres, que c'est même pas un lieu touristique, que c'est un espace mémoriel, parce que vraiment moi les gens qui pique-niquent au milieu du camp, je vois pas comment ça pouvait leur donner envie de manger là. Voilà, mais bon, sinon c'est comme toujours, hein. C'est un espace un peu pas très très particulier. Mais voilà, encore une fois, je pense que pas tout le monde devrait pouvoir le visiter, ou en tout cas pas dans n'importe quelles conditions. Donc bon, suite à ça, on va se poser un petit peu quelques heures, puis après on va repartir en ville pour aller visiter l'English Garden, où apparemment il y a une vague.
trouve actuellement, si vous entendez les cris, dans l'English Garden, qui est un jardin qui est au cœur de Munich, qui est énorme, qui est un des plus grands jardins urbains d'Europe. Et figurez-vous qu'il y a une vague artificielle, donc les gens font du surf. Je vais vous emmener, vous allez voir, c'est impressionnant. Et puis les gens se baignent, surtout en plein milieu du parc, c'est super fou. Vous voyez, ça c'est la poste. Donc j'ai acheté de quoi avoir des cartes postales pour pouvoir les envoyer à mes amis. Sauf que j'ai tenté de demander 5 timbres. Alors non seulement elle a rien compris, mais en plus moi j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit derrière. Après elle a tenté de m'expliquer qu'il fallait que j'aille une machine, je crois, pour pouvoir prendre des timbres. Machine qui ne fonctionne pas, donc en fait je n'ai jamais réussi à avoir mes timbres. Donc je pense que je vais tout simplement poster mes cartes postales de France. Ce sera plus simple. Voilà, non, vraiment, vraiment, à chaque fois que j'essaie de parler en allemand, c'est une catastrophe. Je finis par mettre des mots en anglais, des mots en italien, des mots en français et beaucoup de gestes. Donc là, vraiment, il faut que je fasse une immersion dans le pays avec des cours parce que c'est catastrophique. Bienvenue à Nippenburg, qui est un des châteaux donc des ducs de Bavière, sur lequel je vais vous emmener visiter. Vous allez voir, c'est magnifique, il y a plein de cygnes, plein d'oiseaux, et en plus il fait super beau, voire même très chaud, et les oiseaux tentent de communiquer. Ça n'a rien à voir avec Versailles quand même. Ah là là, ça c'est la française qui parle. Hein ? Non mais c'est beau, mais ça n'a rien à voir avec Versailles. Oui, j'ai compris. Ici c'est l'un des châteaux donc des ducs de Bavière, sachant que Louis II de Bavière est donc l'un de mes rois préférés, parce que oui, il faut avoir des rois préférés dans la vie. Louis II de Bavière, c'est celui qui a construit Neuschwanstein, qui est donc le château où je voulais aller à la base. C'est pour ça que j'étais allée en Bavière, sauf que c'est quand même à 2h30 de Munich, donc j'irai l'année prochaine en voyage scolaire, comme ça c'est l'éducation nationale qui financera. Mais ici c'est très joli et c'est son grand-père en fait, et il y a une galerie des portraits où on va retrouver du coup les plus belles filles d'Europe, de ce que j'ai compris. Donc on va aller faire un tour à l'intérieur, une fois que j'aurai terminé de faire ma déambulation, parce que j'ai abandonné ma mère sur un banc là-bas parce qu'elle avait trop chaud. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait très chaud aussi, il fait presque 30 degrés aujourd'hui. Mais c'est agréable parce qu'il y a quand même un petit vent, il fait super beau, et puis le lieu est quand même super agréable, le parc est immense, il y a de l'eau, on peut même faire de la pirogue. Où est la pirogue? Elle est là, la pirogue. Donc je sais pas si on peut faire de la pirogue, en tout cas il y a une pirogue. Thank you.
Attends, je mets les pieds dans l'eau, ça va. Oui, mets les pieds dans l'eau. Donc on s'est perdu plusieurs fois parce qu'en fait on n'a pas de carte, on n'a pas de sens de l'orientation et on n'est pas doué. Voilà, et t'as une fourmi qui te monte dessus. Du coup on voulait aller voir le parc olympique. C'était grand. Très grand. Trop grand. Le stade, on a trouvé le stade, c'était après bien. Après 10 km de marche. Voilà, après 10 km de marche. Et du coup on est revenu au point de départ. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que tout ce qui est bien c'est quand on est déjà allé. Là ça marche mieux. Donc bilan, prenez des cartes avant de partir. Voilà, c'est la fin du séjour à Munich, donc je viens d'arriver à la gare. Après 10 heures de route, j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Entre le train à l'aller où le chauffeur a décidé subitement qu'il n'irait pas en fait jusqu'à Stuttgart, qu'il allait s'arrêter à Freiburg et qu'ensuite il fallait que je prenne un autre train, puis après un autre train pour aller à Munich. Ça n'en finissait pas, et là au retour, ça s'est mieux passé, mais par contre il y a des correspondances qui sont très très courtes entre deux trains en Allemagne, donc ça c'est un peu complexe. Heureusement j'ai un bretzel, donc ça fera mon goûter, parce que c'est quand même vachement bien et ils sont quand même vachement plus gros que les miens. Et ils sont très bons.